parti. Bonsoir à tous et merci de votre présence en mon nom et au nom de la médiathèque José Cabanis. On est ravis de recevoir ces deux personnes, à savoir Alexandre Bord, éditeur de l'Iconopop, et Baptiste Beaulieu. Nous sommes au printemps des poètes, c'est déjà le cas, hein, et on prend un peu d'avance, c'est le printemps du printemps, c'est l'annonce du printemps, le préambule. Donc, comment mieux fêter ce début du printemps qu'avec un recueil de poésie qui s'intitule « La joie et le reste » donc de Baptiste Beaulieu. Je vais faire quelque chose peut-être de superflu pour la plupart d'entre vous, mais par politesse, je vous présente quand même Baptiste Beaulieu, qui est médecin généraliste et romancier, et homme de radio, et poète, ça fait beaucoup tout ça. Tu t'es fait connaître, tu m'as dit, oh, allez, on ne fait pas semblant, c'est toi. Tu t'es fait connaître par ton blog, Alors Voilà, qui est devenu aussi le premier recueil sur ce même titre, qui a été un gros succès, traduit dans 14 langues, où il racontait son quotidien d'interne puis de médecin et les relations entre soignants et soignés. Le blog, lui, a reçu en 2013 le prix Alexandre Varnet. Donc, ancien interne à l'hôpital d'Auch, il a exercé, ou tu as exercé, la médecine générale d'un cabinet de groupe en périphérie de Toulouse. C'est toujours d'actualité, ça ? Parfait. Et tu dis à ces deux activités, ou alors à ces multiples activités, les unes se nourrissant des autres. On connaît son engagement, qu'on retrouve dans le recueil de poésie, contre toute discrimination sexiste, homophobe, raciste, et en particulier dans le milieu médical, même si ce n'est pas le cas pour ce recueil. Tu as reçu le prix Méditerranée des lycéens pour « Alors vous ne serez plus jamais triste » et le grand prix de l'Académie française de pharmacie pour « La balade de l'enfant gris ». Il y a d'autres romans, dont le dernier dont vous avez parlé, à Ombre blanche, je ne sais pas si tu te souviens, celle qui l'attendait, mais ce qui vous attend, c'est justement les livres de Baptiste avec la librairie Ombre blanche, justement. Il y a eu aussi des nouvelles, La mort et une garce. Il y a eu des bandes dessinées, je ne crois pas l'avoir dit, des adaptations sous le nom des Mille et une vies des urgences et Entre les lignes, d'après le roman Toutes les histoires d'amour du monde. Et enfin, la poésie, on y vient avec un premier recueil qui s'intitulait N'aie pas peur, jamais, et celui-ci, La joie et le reste. À sa gauche, son éditeur favori, je dis ça parce qu'il a dit du bien de toi tout à l'heure. Il a dit encore, bientôt. J'y travaille. Non. Tu es sur la bonne voie parce qu'il n'a pas tari d'éloge tout à l'heure. Donc, tu as d'abord été libraire à la librairie de Paris. Tu as ensuite créé le podcast Mort à la poésie, on est en 2019. Et puis, nouvelle collection de la maison d'édition que vous connaissez sans doute, et en tout cas, je vous souhaite de la connaître, l'Iconoclaste, c'est l'Iconopop que tu tiens avec Cécile Coulon, elle-même romancière et poète. Si ça ne t'ennuie pas, on va commencer par toi, parce que la première des choses, le premier cliché, mais est-ce que c'est un cliché qui mérite d'être confirmé ou infirmé, le premier cliché, c'est que la poésie de nos jours, ça ne se vend pas. Alors, qu'est-ce qui vous prend à l'Iconoclaste de... Oui, d'accord, vous êtes iconoclaste, mais au point de lancer une collection de poésie ? Bon, y a plein de clichés qui sont plutôt fondés sur des réalités. C'est vrai. Et le fait que la poésie ne se vende pas, c'est quand même une réalité qui date des années 70, après Prévert. Prévert a été le dernier grand poète français contemporain à être populaire, à être connu par tout le monde, à être dans les journaux, à la radio, etc. Et après Prévert, c'est retombé pour plein de raisons qui seraient peut-être un petit peu fastidieux d'expliquer ici. Qu'on connaît quand même. Les raisons ? Ouais. Bah, elles sont multiples. Disons qu'il y a eu des courants dans la poésie de ces années-là qui se sont opposés au lyrisme, qui se sont opposés à la poésie du quotidien. Pour aller vers une poésie formelle, expérimentale,
Et ces poètes-là, qui ont été très, très actifs à cette époque, ont réussi à prendre aussi le pouvoir au sein des maisons d'édition de poésie. Bonne foi et consort. Voilà, bonne foi et consort. Et ce qui n'enlève rien à la qualité de leur texte et de leur travail, mais le public s'est éloigné de la poésie parce que leur texte était beaucoup plus difficile d'accès et leur parlait moins de la réalité, etc. Il y a une autre histoire que je mets en parallèle, c'est la musique. Alors ça, c'est une théorie très personnelle, ouais. Et je n'ai jamais lu d'études là-dessus. Mais en fait, les années 70 correspondent aussi à l'essor du vinyle et de la musique à domicile. Et en fait, ce qu'on pouvait observer dans la première partie du XXe siècle, c'est que les grands chansonniers, les grands chanteurs s'emparaient des textes des poètes, voilà, ils chantaient Aragon, oui, Ferré, ils chantaient Ferré, ils chantaient Éluard, ils chantaient Baudelaire, etc. Et donc la chanson française était au service de la poésie. Et en fait, dans les années 70, avec le début des yéyés, de la pop, etc., et l'arrivée du vinyle de façon massive dans les foyers, en fait, la charge émotive que pouvait être apportée à tout un chacun par la poésie a basculé vers la chanson. Voilà, moi, c'est une théorie que j'ai. Non, ça se tient. J'ai pas lu d'études là-dessus. Je sais pas ce qu'en pense Baptiste. C'est une théorie intéressante, je connaissais. Enfin, tu m'en avais jamais parlé, mais je suis persuadé quoi, que nos émotions ont besoin d'un média pour s'exprimer. Et oui, ça, les médias évoluent avec le temps. Et oui, c'est intéressant en tout cas. Et enfin, une dernière chose, et là c'est regrettable, et c'est encore en cours à l'heure actuelle, c'est la façon dont on enseigne la poésie à l'école, qui la plupart du temps peut dissuader les jeunes personnes de vouloir en lire après. Mais ça, leurs études. Elle n'est pas forcément très différente de la manière dont on l'enseignait à l'époque des Prévert et des... Alors, peut-être pas, mais à l'époque des Prévert, peut-être que les poètes étudiés étaient plus actuels. Et en tout cas, aujourd'hui, quand on demande à des enfants d'apprendre des poèmes par cœur, de les réciter devant la classe, ça peut être un moment humiliant, ça peut être un mauvais souvenir. On leur fait étudier des poètes qui datent d'il y a plus d'un siècle et parfois les mots ne leur parlent pas, les images ne correspondent pas à ce qu'ils peuvent ressentir. Et puis surtout, dès qu'on arrive au collège ou au lycée, on va demander d'expliquer un poème en comptant les pieds, en cherchant les rimes et les diraises, etc. Enfin, on ne va pas faire un débat, mais c'était le cas avant, alors que la poésie était populaire, non ? Mais oui, mais la poésie était populaire aussi, parce qu'elle était présente dans les médias, ce qui est beaucoup moins le cas aujourd'hui. La poésie était présente à la radio, elle était présente dans les journaux, et les journaux, les quotidiens, etc., se vendaient par millions aussi à cette époque-là. Donc la poésie a vraiment disparu du paysage médiatique aussi. Hein. Et alors qu'est-ce qui fait que M. Alexandre Bord et Cécile Coulon décident, ouais, ça y est, on va la remettre en première ligne ? Eh bien, ces dernières années, il y a une révolution très lente qui s'est opérée grâce aux réseaux sociaux, à Facebook et Instagram notamment, où il y a de jeunes auteurs qui ont proposé, comme ça, sans maison d'édition, sans intermédiaire, de publier des textes courts et poétiques en ligne. Et ça a suscité un très vif intérêt des communautés, un rajeunissement du lectorat. Il y a beaucoup d'adolescents, de jeunes adultes qui se sont reconnus dans ces mots-là, ces mots qui parlent du corps, qui parlent des émotions, qui parlent de la vie. Et c'est un phénomène qui s'est amplifié avec une poétesse canadienne qui a maintenant acquis une renommée internationale. Elle s'appelle Rupi Kaur et elle a vendu des millions d'exemplaires de ses poèmes à travers le monde. Et Cécile Coulon elle-même qui a publié ses poèmes sur Facebook pendant 10 ans avant d'en faire un livre, un premier livre, Les Ronces, qui a été vendu à 15 000 exemplaires, qui est en poésie en France un best-seller, un carton plein. Mais ça veut dire qu'en fait, on ne lisait pas de poésie, mais on continuait d'en écrire. Oui. Bah oui, tout le monde en écrit. Moi, je pense que c'est la forme la plus naturelle quand on commence à écrire, quand on veut écrire ce qui nous traverse. J'ai l'impression que la poésie, c'est la forme première, la poésie ou la chanson.
un poème à écrire, ça nécessite pas grand-chose. On peut écrire sur un ticket de caisse, on peut écrire sur un bout de papier. Si on veut entreprendre une écriture romanesque ou une nouvelle, ça demande un travail fou qui peut durer des mois, des années. Oui, une discipline. Et une discipline. Écrire un poème, c'est une immédiateté, ça surgit. Et je pense que c'est à la portée de tout le monde d'écrire un poème. Alors, il ne sera pas forcément... Et alors, comment ? Alors, vous me tendez la perche, là. Comment trie-t-on le bon grain de livret ? Comment fait-on pour dire, voilà, c'est... Puisque il y a beaucoup, beaucoup de candidats. Qu'est-ce qui fait qu'on est édité chez l'Iconopop ? C'est au physique. Ah ouais. on a évité le « il faut coucher ». Effectivement, on reçoit énormément de manuscrits depuis que la collection existe. Octobre 2020, c'est récent, hein, c'est un an et demi. On reçoit beaucoup, beaucoup de manuscrits. Et donc, comment on fait le tri ? Bah déjà, avec nos expériences de lecture mutuelle, Cécile et moi, Cécile Coulon et moi, on lit énormément de poésie depuis longtemps. Et donc, nos sensibilités s'affinent avec le temps, avec nos expériences de lecture. Et puis, on remarque dans toutes les personnes qui écrivent de la poésie, les personnes qui sont encore dans des schémas très, très classiques et scolaires, ou qui continuent à s'astreindre, à faire des rimes, à compter leurs pieds, etc. Et plutôt qu'à se lâcher, et on reçoit des choses qui sont très scolaires, et parfois qui peuvent être de qualité, mais ce n'est pas forcément l'image qu'on a envie de renvoyer dans cette collection. Et après, chaque éditeur, chaque ligne éditoriale va avoir ses propres critères. Nous, notre ambition avec l'Iconopop, c'est de faire lire de la poésie à des personnes qui ont décroché de la poésie, qui n'en lisent plus, qui n'osent pas, et la rendre à nouveau populaire. Moi, je reçois des manuscrits de poésie qui sont d'une très, très grande qualité, mais je me dis qu'il serait mieux chez d'autres maisons d'édition, comme Bruno Doucet ou le Castor Astral. Et je ne dis pas que je fais un nivellement vers le bas avec l'Iconopop. Non, on a bien compris. Mais en tout cas, nous, on cherche avec Cécile, on cherche des textes qui vont véhiculer des émotions très fortes et qui vont nous parler du monde dans lequel on est aujourd'hui. Cela dit, sans flatterie, je lui ai dit juste avant de commencer notre entrevue, vous parliez du nivellement par le bas. Non, honnêtement, j'ai l'habitude de lire de la poésie, j'y ai trouvé tout à fait mon compte. C'est un très bon... mon avis importe peu, mais je trouve que c'est un très beau travail que nous a offert Baptiste. Ça me réjouit, ça te réjouit aussi, je pense. Voilà, quand je dis populaire, faut pas que ce soit péjoratif. Mais je pense que la poésie de Baptiste peut vraiment être lue par beaucoup de personnes. Absolument. Et bien sûr, c'est pas au détriment de la qualité. Et moi, quand j'ai lu les textes de Baptiste, j'en ai eu des frissons, j'avais les larmes à l'œil de temps en temps, et j'étais... Voilà, j'étais heureux quand on est éditeur et qu'on publie ce genre de texte, on est heureux et on est fier. Il n'est pas nécessaire d'avoir un nom. Baptiste avait déjà un nom, Baptiste Beaulieu. C'était quelqu'un de reconnu pour son travail. Est-ce que là, des aspirants, des poètes anonymes peuvent prétendre à être édités chez l'Iconopop ? Absolument, on panache dans notre sélection. Effectivement, on va chercher des personnalités à la fois du monde de la musique. On a publié Akhenaton, le rappeur. On a publié Mathias Malzieu, qui est romancier, le chanteur de Dionysos. On a fait une traduction du chanteur de Rammstein, un groupe de métal allemand, et des romanciers, romancières, Baptiste Beaulieu, Clémentine Beauvais, Pauline Delabroix-Allard. Mais on publie aussi des premières voix, des jeunes personnes dont c'est le premier livre. Donc à ce jour, il y a eu Suzanne Robalet, une jeune poétesse de 28 ans, Arthur Navellou, et là, dans un mois, Dorian Masson a aussi 28 ans, donc ça va être le premier livre. Donc voilà, on panache entre des personnes qui sont déjà reconnues et des découvertes de manuscrits qu'on reçoit. Et on panache entre les genres, puisque vous avez parlé de rap, vous avez parlé de chansons. Il y a aussi, je crois, des prestations, je ne sais pas comment dire ça, des enregistrements sur YouTube, etc. Oui, absolument. La façon de donner envie et de véhiculer la poésie passe aussi par l'oralité. C'est très, très fort. Et dans chaque voix, moi, je suis quelqu'un qui écoute énormément de radio, qui écoute beaucoup de chansons en français. Chaque voix d'auteur
véhicule aussi des émotions qui peuvent être très fortes et qu'on ne perçoit pas en ayant le papier. Donc nous, à chacun de nos livres, ou presque, on enregistre la voix des auteurs et on met à disposition des extraits du livre pour que les gens puissent les écouter sur notre site internet, sur SoundCloud et aussi sur nos réseaux sociaux. Et c'est aussi une façon d'entrer dans les textes de façon un peu différente et charnelle, j'ai envie de dire. Baptiste, tu nous racontes comment tu t'es retrouvé, toi, l'Iconopop. Tu es allé vers eux, ils sont venus vers toi. Il s'avère que je suis très, très ami avec Cécile Coulon depuis longtemps. Elle avait lu mon premier recueil, qu'elle a fait lire à Alexandre. Avec Alexandre, ils m'ont débauché. Voilà. Et j'étais très, très content de publier avec eux ce deuxième recueil. Ça s'est pas très bien passé avec le premier éditeur pour plein de raisons. Et donc j'étais vraiment content de publier avec des personnes aussi talentueuses qu'Alexandre et Cécile, parce qu'ils ont fait un vrai travail d'éditeur, ce qui n'était pas forcément le cas du premier. C'est-à-dire que moi j'écris mes poèmes, mais je les lis pas, et du coup j'ai pas le recul forcément nécessaire. Et c'est là qu'intervient un éditeur ou une éditrice, ce mot-là ou cette virgule ou quoi, moi je la déplacerai. Et souvent ils ont raison. D'accord. Voilà. Et ça rend le poème meilleur. Et je crois qu'en tant qu'écrivain ou en tant que poète, c'est ce qu'on veut au final, quoi. Alors Alexandre faisait remarquer que c'était la forme d'écriture vers laquelle on va. Premier, ça a été ton cas aussi ? Je sais pas comment dire ça, parce que j'écris plein de romans, j'écris des nouvelles, et pourtant c'est dans la poésie que je me sens le plus fidèle à une forme de... Comment dire ça ? Je vais passer pour... je ressemble à Bernard Werber qui parle de ses vies antérieures. Non, une forme une fidélité à ce que je suis au plus profond de moi-même, et une sorte de noyau inaltérable qui peut-être même persistera après mon décès physique. Quand j'écris de la poésie, je suis fidèle à tout ce que j'ai pu être avant de venir. C'est très bizarre, je ne sais pas comment vous dire ça autrement. C'est le moment où je suis le plus moi, voilà. Et donc c'est des moments de grande exaltation, quoi, de grands sentiments de puissance aussi, qu'on ne retrouve pas forcément. Un roman, on est à la fois le réalisateur, on est à la fois le paysagiste, on décide des décors, on décide du casting et tout. La poésie, on décide de rien, ça s'impose comme ça, et on ne construit rien. Et on peut construire a posteriori, mais en tout cas, ça s'impose comme ça. Pour autant, il y a malgré tout un travail cérébral ou pas du tout ? Parce que l'histoire de l'inspiration qui nous visite, c'est difficile peut-être d'y croire. Je sais pas. Alors, moi, j'ai toujours trouvé ça un cliché quand j'entendais des gens dire ça. Et puis quand on se met à écrire, c'est très étrange. Quand j'en parle avec des copines autrices ou des copains auteurs, on a tous ce sentiment-là. Quand on n'est pas un faiseur, et je ne suis pas un faiseur, c'est-à-dire moi je n'ai pas de tableau en disant bon là faut que je dois faire rire le lecteur, là je dois le faire pleurer, j'écris ce que j'ai envie d'écrire et j'ai la chance que ça marche, du coup on ne me commande pas mes romans. Mon éditeur me dit tu fais ce que tu veux, ça marche, je ne t'embête pas, c'est très bien et c'est une vraie liberté. Mais du coup je ne sais pas pourquoi ça vient, on est des machines à transformer le réel et c'est vrai qu'en tant que médecin... Le réel, il est posé 23, 25 fois, 26 fois, 30 fois par jour devant moi. Et je suis là pour le transformer, le transfigurer, en sortir quelque chose. On est tous des machines à transformer. Et le bandeau indique Baptiste Beaulieu intime. Et c'est effectivement, quand on lit, c'est ce que tu dis, quoi, au plus près de ton intimité. Est-ce qu'il n'y a pas... C'est peut-être une question bizarre, mais je la pose quand même. Est-ce qu'il n'y a pas un problème de pudeur ? Est-ce qu'une fois que c'est écrit, on se dit ben, je vais quand même partager ce qui... tu parles de tes relations affectives, sexuelles, tu parles... Oui, tu parles du sexe des garçons aussi. Tu passes du sexe des garçons, effectivement, tu te mets tout nu, quoi. C'est super intéressant comme question, parce que quand on est très présent à la fois à la radio, dans les romans ou sur internet, dans les réseaux, on dit toujours est-ce que tu t'exposes pas trop ou quoi, et je sais pas comment dire ça aux gens, mais personne n'a aucune idée de ce que je suis ou de qui je suis, parce que je ne mets que ce que j'ai envie de mettre, et ce que dans la poésie
Peut-être moins dans la poésie. Peut-être moins dans la poésie, mais j'ai toujours cette licence artistique qui permet de se réfugier derrière. Non, c'est pour la beauté du geste, c'est pour faire beau. Voilà, je ne pense pas un seul mot de ce que j'ai écrit sur ça. Cette liberté-là, surtout aujourd'hui, c'est rare de l'avoir quelque part, quoi. Et la poésie permet ça. Mais on est d'accord que la poésie, elle se limite pas à ça. Dans tes romans précédents, moi, il y a de la poésie. Mais parce que tout est poésie, et je crois que ça fait tellement cliché de dire ça, mais ça nous aide vraiment à supporter le réel, encore plus quand on est soignant. Je ne sais pas comment dire les choses autrement que on a besoin de transfigurer le réel. Je donne un exemple. Quand j'étais interne, souvent je parle de ça, mais j'ai été appelé avec le SAMU pour une maman qui nous appelait parce que son enfant de 7 ans faisait, ou 6 ans faisait une crise d'épilepsie. J'étais interne à Auch, au SAMU, et l'enfant convulsait. Elle a été tellement perturbée par les convulsions de son propre enfant qu'elle s'est trompée d'adresse. Elle a inversé le 2 et le 8, donc elle a dit, je ne sais pas, 82 au lieu de 28 ou quelque chose comme ça. Sauf que dans le Gers, c'est très long, et au lieu d'arriver en 7 minutes, quoi, on a mis plus d'un quart d'heure à arriver parce qu'on s'est trompé. On ne lui a pas dit qu'elle s'était trompée parce qu'on ne voulait pas qu'elle porte la responsabilité, mais c'était trop tard, l'enfant était parti. On n'a rien pu faire. Et moi, je n'arrêtais pas de penser à cet enfant qui était parti parce que sa mère l'aimait. Et c'est normal, mais qu'elle ne se serait pas trompée s'il y avait eu peut-être moins d'affect. Et je me dis, c'est pas possible qu'un enfant meure parce que sa mère s'est trompée. Et donc, il y a eu un gros moment de panique morale. Et puis, c'était peut-être aussi la première fois que je voyais en tant que jeune médecin un enfant qui mourait. Et donc, j'ai arrêté quelque temps mes études. J'avais besoin de comprendre pourquoi le mal existe. Ça fait c'est très naïf comme question, mais je crois que c'est la question sur laquelle je bute et je continuerai de buter. Beaucoup de gens butent sur cette question, surtout en ce moment, encore plus d'actualité. Et donc je suis parti à Rome, puis à Jérusalem, parce que j'avais besoin de verticalité, et j'étais vraiment poursuivi par le fantôme de cet enfant, où je n'arrivais pas à comprendre pourquoi il était mort, parce que c'était pas dans l'ordre des choses, quoi. Et ça a donné un de mes romans qui s'appelle La balade de l'enfant gris, et les gens lisent en disant, parce que c'est l'histoire d'un interne qui est poursuivi par un fantôme et qui part à Rome et à Jérusalem, sauf que le fantôme existe vraiment dans le livre, et on pourrait se dire que c'est un roman, et pourtant rien n'est plus vrai que ce que j'ai écrit dans ce livre-là. Et on a besoin de la poésie, on a besoin de transfigurer le réel pour pouvoir dire la difficulté qu'il y a à exister en tant qu'être humain dans ce monde-là où le monde ne ment pas, où les enfants meurent. Et peut-être que ça doit être comme ça, parce que si les enfants ne mouraient pas ou si le froid n'existait pas, alors le monde mentirait et le monde ne doit pas mentir. Mais bon, ça, c'est la version que j'ai tiré pour essayer peut-être d'opérer une meilleure résilience. Je ne suis pas sûr que ce soit une explication qui satisfasse la maman. Mais tout ce que tu viens d'évoquer se retrouve dans ce livre. Tu as parlé de la mort, elle y est. Tu as parlé de verticalité, elle y est. Tu as parlé du mensonge, du rapport au mensonge. Ça y est aussi. Je me trompe peut-être, mais je n'ai pas l'impression que la poésie, ta poésie, permette de résoudre les problèmes. Ça permet. Tu dis sans arrêt que tu n'es pas dupe. Et tu mets en parallèle, si je t'ai bien lu, ton amour, on va pas dévoiler son prénom, qui lui a le pouvoir de s'illusionner. Oui. Je vis avec quelqu'un qui arrive comme ça à supporter et qui vit très bien. Du coup, il m'aide beaucoup. Il m'aide beaucoup parce qu'on est vraiment très différents, lui et moi. Effectivement, il y a plusieurs poèmes où je parle de sa capacité comme ça à ne pas s'écorcher la peau avec ce qui se passe et à laisser glisser les choses. Et c'est un super pouvoir que je n'ai pas. Tu crois au bonheur, et j'ai l'impression que tu n'y crois pas, toi. J'ai l'impression parfois d'être trop lucide pour sur la nature humaine pour pouvoir y croire. Après, c'est peut-être aussi parce que quand on est médecin, moi je travaille avec des foyers qui viennent en aide aux femmes victimes de violences conjugales, donc il y a certains soirs on rentre, on n'aime pas beaucoup l'être humain, quoi. C'est, et, où,
Surtout les hommes. Pourquoi surtout les hommes ? À chaque fois, on a ce débat. Moi, je veux croire qu'il existe des hommes qui en valent la peine. Oui. Après, malheureusement, de mon expérience, mais après, le cabinet médical, c'est une passoire. C'est-à-dire, je ne vais jamais avoir une femme qui va venir et qui va me dire « Mon mari est génial, c'est un homme normal, et je vais vous donner 25 euros pour vous avoir dit ça. » Ça n'arrivera pas. Voilà. Bon. Alexandre, il y a dans ce livre non seulement des poèmes superbes, mais il y a aussi des illustrations. C'est le cas de tous les autres ouvrages ou c'est le cas de celui-ci et c'est tout ? Presque tous les ouvrages de l'Iconopop sont illustrés, absolument. Ce n'était pas prémédité quand on a pensé la collection, mais les trois premiers artistes avec qui on a travaillé, les trois premiers auteurs, donc c'était Mathias Malzieu, Lisette Lombé et Suzanne Robalet, tous les trois, au moment de la préparation du livre, nous ont proposé des illustrations donc très variées. C'était des collages de Daria Nelson pour le livre de Mathias Malzieu. Lisette Lombé, elle est collagiste également. Et Suzanne Robalet, elle est photographe. Et en fait, à chaque fois, ces illustrations résonnaient de façon très, très puissante avec les textes et créaient des émotions aussi très différentes en lisant le livre. Et donc pour nous, c'était une évidence de les inclure. Et il était hors de question que texte et image s'opposent, ne puissent pas cohabiter. Moi, pendant des années, j'étais un grand passionné de bande dessinée. J'ai fait mon mémoire à la fac sur la bande dessinée. Et en fait, le rapport entre le texte et l'image, c'est quelque chose qui m'intéresse énormément. Et donc là, en l'occurrence, le livre de Baptiste Beaulieu est illustré par Joséphine Bastière, oui. un dessinateur avec lequel Baptiste avait déjà travaillé pour son recueil de poésie précédent. Je me souviens avoir rencontré ce prénom-là. Il est toulousain. Oui. Ce prénom-là, Joséphine, dans le roman. Après, les gens qui ont des jolis prénoms, je les vole. Hein, pour mes romans, il ne faut pas avoir de jolis prénoms, c'est votre faute. Et donc quand on a des auteurs qui ont eux-mêmes une faculté d'illustration, ils peuvent le faire. Quand ce n'est pas le cas, ils peuvent nous proposer des personnes avec qui ils sont en affinité artistique. Et puis nous, à l'Iconoclaste, on regarde, on a aussi le pouvoir de dire non, ça ne nous convient pas. Mais sinon, en tout cas, on trouve ce dialogue intéressant. Et justement, dans cette vocation à rendre la poésie plus populaire, on se dit aussi que quand les gens feuillettent notre livre et qu'ils voient qu'il y a des illustrations à l'intérieur, peut-être qu'ils peuvent se dire « Ah, c'est pas que du texte, peut-être que ça respire un peu ». Et voilà, ça fait partie aussi de cette façon de déconstruire et de rendre le livre de poésie moins âpre et moins difficile d'accès. Ouais. Baptiste, comment s'est passée la collaboration avec Joséphine ? Il avait carte blanche ou... Oui. Après, il m'a donné une clé USB avec 10 000 dessins. Il m'a dit, tu choisis. Après, c'est une rencontre un peu étrange avec Joséphine parce que c'est un artiste toulousain. Il vit à la fois à Paris et à Toulouse. Et au début, je ne savais pas du tout qui c'était. Juste un petit artiste qui vit dans un petit appartement à Toulouse. Et j'étais son médecin traitant. Et j'avais un peu un cliché, et donc à chaque fois je ne le faisais pas payer ou quoi, parce que je me disais, bon. Et à chaque fois il me donnait des petites toiles ou des trucs comme ça. Puis un jour j'ai tapé son nom sur internet, et puis je dis, oh, dis donc, je vais garder les toiles. Et je vais aller le voir plus souvent. Mais parce que je trouvais ça magnifique. Et ouais. Quand j'ai édité avec Alexandre, je lui ai parlé tout de suite en disant, je voudrais vraiment que Joséphine réalise les dessins, parce que ça entre particulièrement bien en écho avec mes thèses, ce côté très épuré et en même temps très brut comme ça. Il est né de quoi ce recueil ? Je pourrais vous mentir, vous raconter plein de trucs. Je suis quelqu'un, ça se voit pas forcément, de très très en colère. Et oui, il est né de tout un tas de colère, mais je pense qu'on n'écrit pas sans avoir un moteur. Et moi, le mien, c'est la colère. Et c'est un moteur comme un autre. Mais ce que je disais tout à l'heure, c'est...
on va pas repartir sur ce sujet, mais sur, à propos des hommes. Et ah non, non, mais ça, non, c'est non, ta liberté d'auteur, voilà, tout à fait. Je te donne un exemple, mais c'est quand on a, qu'on est médecin et qu'on s'occupe de femmes qui viennent pour qu'on leur enlève les agrafes qu'elles ont sur le crâne ou quoi, que le mari est en salle d'attente, et alors on va pas aller en salle d'attente pour casser la gueule du mari parce qu'il est plus grand que nous déjà, et puis que ça rendrait pas du tout service à son épouse. Mais qu'est-ce qu'on fait nous en tant que soignants à part ronger son frein et avoir envie de donner des coups dans les voitures qui nous frôlent de trop près quand on rentre à vélo chez soi. Et je donne une anecdote, mais parce que je la raconte, mais parce que je la trouve drôle. Et avant, j'habitais un peu loin de mon cabinet médical, je devais prendre la voiture, et mon appartement était situé juste en face d'un Monoprix. Et le soir, je rentrais, et mon garage, qui était juste en face du Monoprix, et tous les soirs, il y avait toujours quelqu'un qui s'était garé devant l'entrée du garage pour aller faire ses courses au Monoprix, parce qu'ils sont là chaque fois pour 2 minutes. Et en général, je suis patient, mais il y avait certains soirs quand j'ai eu ce genre de consultation dans la journée où je ne sais pas sur quoi déplacer ma colère. Un soir, je me souviens, j'étais tellement en colère que j'ai garé ma voiture derrière cette voiture qui m'empêchait de rentrer chez moi. Je voulais rentrer chez moi pour être chez moi, pour me sentir à l'abri chez moi, pour pleurer dans un pot de Haagen-Dazs ou j'en sais rien, dans du sucré. Et je me suis garé et je suis allé au Monoprix et j'ai acheté une plaquette de beurre. Et je suis ressorti et j'ai écrit sur la voiture en rageant comme ça. Ceci n'est pas une place de parking. Mais j'étais tellement rageux que j'ai appuyé trop fort et j'avais plus assez de beurre. J'ai pu écrire que ceci n'est pas. Ce qu'il avait. Et donc, voilà. Donc la prochaine fois, sachez-le, achetez du 250 grammes, pas du 125 grammes. Mais et donc, je pense que il vaut mieux écrire des recueils de poèmes. Des poèmes. Voilà. Ouais. Mais merci. Là, il y a quelqu'un. C'était ma voiture. Hein. Il faut que je retrouve mon sérieux parce que je voudrais parler de quelque chose qui justement est énormément sérieux et que tu as désigné sous le mot de verticalité, que tu désignes sous le nom de Dieu. Cette colère, elle s'adresse à Dieu aussi. Et j'ai l'impression, là encore, si je t'ai bien lu et tu me corriges si c'est pas le cas, qu'il y a malgré tout la foi et l'espérance, mais que tu lui en veux de la manière dont il se comporte avec nous. C'est compliqué parce que je viens pas spécialement d'une famille croyante. J'aime pas trop parler de ça parce que je trouve ça toujours très impudique, mais quand je suis parti à Jérusalem pour essayer de trouver des réponses au décès de cet enfant, je les ai pas trouvées ni à Rome ni à Jérusalem auprès des croyants. Je les ai trouvées auprès des, notamment à Jérusalem. Il y a une seule boîte gay à Jérusalem et parce qu'elle se fait caillasser par les intégristes orthodoxes, ouais. Par les musulmans, par les catholiques. Et donc à chaque fois, la communauté gay la remet en place, ce bar. Et dedans, c'est incroyable de voir ça à Jérusalem. C'est à tous les Palestiniens qui passent illégalement la bande de Gaza pour venir faire la fête, là, le soir, les Palestiniens LGBT. Il y a les Juifs ultra-orthodoxes qui rasent les murs de Mea Sharim, le quartier ultra-orthodoxe, pour arriver dans ce bar. Et à l'intérieur, il n'y a plus de Juifs, il n'y a plus de Palestiniens. Il y a juste des jeunes qui veulent faire la fête et s'échapper un petit peu du carcan. Et j'étais là et je faisais la fête et je rencontrais une fille qui était super mignonne. On a commencé à danser, à se frotter un peu. Et puis il y avait son copain qui est arrivé. On me dit il va me casser la gueule. Et en fait, non, il voulait qu'on se frotte tous les trois. Et finalement, on s'est frotté tous les quatre toute la nuit parce qu'il y a un quatrième qui est arrivé. Comment tu vas arriver à parler de Dieu là Mais je te promets, je vais y arriver. Et donc c'était la nuit. Il y avait cette fille qui était super belle et qui a pleuré dans mes bras parce que son père était décédé 2 mois plus tôt. Et je suis rentré à l'hôtel, le soleil se levait sur Jérusalem et j'étais pieds nus parce que j'avais dansé toute la nuit, j'étais un peu fatigué, enfin voilà. Des bons souvenirs. Je sais pas comment vous dire ça sans paraître tarte. Le soleil se levait et je me suis senti aimé comme je ne me suis jamais senti aimé de toute ma vie. Mais c'est difficile d'en parler, c'est très émouvant, ouais. Et c'est indescriptible, et c'est comme si on avait pris mon corps, qu'on l'avait retourné comme un retourne-un-gant, comme ça, et qu'on avait embrassé toutes les parties de moi, y compris, parce qu'à l'époque, je n'étais pas du tout au clair avec qui j'aimais, ce que j'étais, et qu'on a embrassé toutes les parties de moi, et qu'on disait, tu es aimable au sens étymologique du terme, tout en toi est aimable, et tu mérites d'être aimé, il n'y a rien de honteux, tout est beau, et tout est bon et tout est ok.
Et du coup, je suis rentré à Toulouse et j'étais guéri de beaucoup de choses. Quoi. Et c'est ce qu'on appelle la foi. Je ne me raccroche pas à une église. Je pense que les églises disent peut-être toute une partie de la vérité, et très très mal. Mais je préférerais parler de mon pénis que de ma foi, parce que je trouve ça beaucoup moins impudique finalement. Oui, je comprends. Mais je ne veux pas parler ni de l'un ni de l'autre. Je pense qu'il y a autant de croyances que de croyants. Et puis, je ne sais même pas quel Dieu, parce que Dieu en tant que cause primordiale, ça n'est pas possible, parce qu'une cause primordiale nécessite forcément une explication antérieure à cette cause primordiale. Et donc, on n'en finit jamais. Donc, je ne suis même pas sûr de la définition même de Dieu que je mettrais. On en revient toujours à cette question, c'est pourquoi... Pourquoi il y a quelque chose plutôt que rien, et pourquoi il y a de la poésie plutôt que pas de poésie. La poésie est là, il y a quelque chose plutôt que rien, on fait avec, quoi. On fait avec. Tu nous, cela dit, pardon, mais Dieu a le dernier mot dans ton livre. En tout cas, si Dieu a été là, il n'est pas fait. C'est la référence, elle est à ça. Mais il n'est pas question de. Enfin, il n'est pas uniquement question de cette verticalité. Est-ce que tu pourrais nous lire un extrait Après, on n'est pas très très bon pour... Pendant que tu cherches l'extrait, je vais demander à Alexandre comment il a reçu ce livre-là. Alors, tu as commencé à nous le dire en disant voilà, que tu avais été séduit, mais si tu devais en parler plus précisément, nous dire ce qui t'a touché, ce que tu parlais d'être au bord des larmes. C'est... Justement, moi, cette notion de foi, de croyance, de verticalité, on l'appelle comme ça, c'est quelque chose qui m'est très étranger. Et pour moi, ça a même un côté repoussoir. C'est que moi, je me méfie des bondieuseries, on va dire. Et donc, c'est vrai qu'une des premières impressions que j'ai eues en lisant les textes de Baptiste et en voyant la présence de Dieu, ses interpellations, j'ai eu un premier mouvement de recul. Je me dis, oh là 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 là, dans quoi je mets les pieds ? Parce que c'est un domaine où... d'une part, je ne me sens pas compétent, et d'autre part, je n'ai pas envie d'y être. Et pourtant, à le lire, j'ai compris sa colère, j'ai compris qu'il cherchait des réponses qu'on n'avait pas, j'ai compris l'universalité de ces questions-là et de cette colère-là. Et en fait, ce dont on n'a pas parlé, c'est que dans le livre, il est aussi énormément question de nature. Baptiste parle beaucoup de fleurs notamment. C'est vrai, c'est vrai. Et pour moi, c'est la même chose en fait. C'est-à-dire qu'il appelle Dieu, mais il pourrait appeler nature ou cosmos ou ciel ou etc. Et là, je m'y reconnais davantage. C'est que on est entouré de choses, on est entouré de vie qui ont voilà, il y a chaque chose a des causes et des conséquences. Et moi, c'est plutôt comme ça que je pense. Et donc, en fait, en me replongeant dans les textes de Baptiste, je me suis dit que ce qu'il appelait Dieu, c'était moi ce que je pouvais appeler nature ou cosmos, et que finalement, on n'avait pas tant de différence que ça. Et c'est pour ça que mon émotion était très forte, c'est que même s'il met le mot Dieu, je vois pas de religion derrière en fait, mais par contre je vois une envie très très forte de prendre la vie à pleine main, une option d'absolu, de prendre la vie à pleine main, de confronter la vie avec ce qu'elle nous met dans la tronche, et de pas se laisser faire. En fait, c'est ça que j'ai lu dans les poèmes de Baptiste, et là je m'y retrouvais. Et en fait, voilà, que ça s'appelle Dieu, que ça s'appelle autre chose, finalement c'est même pas la question. Il choisit de l'appeler Dieu, moi je pourrais écrire les mêmes poèmes en mettant chips à la place, parce que moi j'ai une religion de la chips, j'adore les chips, et voilà, c'est un peu tarte à la crème, mais on pourrait remplacer Dieu par autre chose, et qu'importe, ça tient debout. Baptiste ? C'est pas forcément mon préféré, mais c'est pour rebondir sur le débat sur les hommes. Cendrillon, belle, blanche,
Elles t'ont bien préparé. Pour lui, tu te feras docile, tu courberas l'échine. Tu deviendras une bonne bonne qui donne tout, ton cœur, ta vie, ta douceur, et te persuade jour après jour que la mer d'où tu nages a l'odeur du bonheur. Cendrillon, belle, blanche, tu es bien préparée. Tu es pieuse en amour et veux sembler heureuse. Des heures et des heures, même les plus creuses. Bien cacher tes pleurs aux ours, aux fées, aux hirondelles, à nos enfants et à leurs professeurs, et surtout aux amis. Devenir un grand corps vide et n'avoir pour regard qu'une absence translucide. Un jour, tu échoueras sur le divan d'un psy. Aux grands yeux des hiboux, tu lui demanderas où ta vie est passée et il te fera comprendre, à sa manière très tendre, à sa manière très chère, qu'hélas, il est trop tard. Blanche, belle, cendrillon, elles t'ont bien préparée. D'abord lui plaire, lui donner coup sur coup trois enfants, du plaisir et des tartes au citron. Être une bonne bonne, sans joie, sans souliers, sans salaire, puis perdre tes dents. Être un ver tortillé, hameçonné, qui sourit, qui se ment. Puis ce jour reviendra quand il faudra mourir, sans avoir eu de balle, sans avoir eu de prince. Tu tiendras dans la main sa paire de chaussettes sales. Ça aurait été idéal pour la journée d'hier. Ah oui, c'est vrai, j'avais pas pensé. Ouais, le spécial dédicace. Ouais. Oui, il y a aussi un aspect dans ce livre fantastique, hermétique, fantastique. Il y a des images dont le sens m'a échappé. Il t'échappe aussi, pas le sens, mais ces mots-là t'échappent ou tu joues avec le lecteur en gardant malgré tout une part d'intimité, même si c'est... Je crois que je pourrais expliquer tout ce que j'écris et que pour moi tout aurait un sens. Après, le problème, c'est qu'on... On n'est jamais à l'abri de ne pas vivre dans une réalité où on serait que soi fabriqué. Peut-être que personne ici n'existe, que je flotte dans une sorte de grand néon sombre où je m'imagine tout ça. Et ce qu'on appelle un solipsisme, je crois. De croire que le monde n'existe qu'à travers soi. C'est la seule théorie philosophique qui est irréfutable, puisque même les arguments qu'on pourrait m'avancer contre, ça peut peut-être moi qui les ai inventés. Absolument. Et cette idée-là est vertigineuse. Et pourtant, oui, tout ce que j'ai écrit là, je crois, pour moi, a fait sens, mais c'est tellement... solitaire d'exister. Je me demanderais quand même une explication de texte. Quand tu écris l'existence des autres me rend liquide. Oui. Et puis après, ce n'est pas facile tous les jours d'être du vin sur cette terre. Bon, tu expliques, oui. mais qu'est-ce que tu entends par là ? Mais parce que je chiale, parce que les patients me touchent, les patientes me touchent, parce qu'il faut sourire, parce que oui, l'existence des autres, des patients en tout cas, me rend liquide intérieurement, bien sûr. C'est ne me touchez pas, ne me secouez pas, je suis plein de larmes. Oui, c'est... mais parce que je suis un garçon sensible, mais parce que la vie des autres est dure, la vie est difficile, et je l'ai écrit récemment, mais je pense qu'on ne se rend pas bien compte encore plus en ce moment, entre le Covid et l'Ukraine, à quel point c'est quand même être héroïque de vivre. Dans le monde dans lequel on vit en ce moment. Et est-ce qu'on a le choix ? Non. Alors, je ne dis pas qu'on est courageux, je dis qu'on est héroïque. Ce n'est pas tout à fait la même chose, et peut-être que c'est du conditionnement mental pour avancer. Mais on est fort quand même. je crois. Oui, et on est faible aussi. En tout cas, il y a ces deux aspects dans le livre. On passe sans cesse de... À la fois, c'est le livre, pardon, j'exagère peut-être, mais d'un dépressif ou de quelqu'un qui est très amer, et à côté de ça, qui va faire l'éloge de la vie. C'est compliqué, le bonheur. Y compris des poux. Alors moi, je ne suis pas concerné, mais tu fais l'éloge des poux. je peux expliquer pourquoi, mais... Je peux lire ce poème, mais peut-être que... À l'aise, oui. Juste pour que vous compreniez... Oui, avec grand plaisir. Alors, l'époux. Ah, voilà. J'aime et je veux que tout le monde soit heureux. Un amour, un petit jardin, des fleurs, des fruits et des poux dans les cheveux.
J'aime et je veux que tout le monde ait des poux. Car s'il n'y avait pas de poux, il manquerait quelque chose. Et je veux des choses dans les choses, des singularités dans les constantes, des puces dans les interstices. J'aime et je veux qu'il ne manque rien. Et s'il n'y avait que l'amour, les fleurs, les fruits et les petits jardins, le monde serait incomplet. J'aime et je veux un cosmos terminé, un enchevêtrement de câbles, un filet, une trame, nos larmes en filigrane qui nouent très fort le drame et tissent l'espoir à la vérité. J'aime et je veux un monde achevé, fragile, en équilibre, blessé, qu'un bobard suffit à défaire comme l'absence de poux, comme l'absence d'hiver. Je veux et j'aime que tout le monde soit heureux, que tout le monde ait un amour, un petit jardin, du froid dans l'hiver et des poux dans les cheveux. Je trouve très très beau ce poème. Mais parce que là, pour le coup, on a tous des inspirations. Effectivement, je m'inspire de... c'est mon obsession, j'en parle tout le temps. Il va encore parler de Fernando Pessoa. Le livre de l'intranquillité. Il y a le mot intranquille, je l'ai repéré. Est-ce que ce mot, peut-être plus que dépressif, c'est plus intranquille, je dirais. Fernando Pessoa, qui est le poète portugais par excellence, et qui, dans la grande œuvre... il y a le livre de l'intranquillité, mais lui considérait que son chef-d'œuvre, c'était Le Gardeur de troupeau, qu'il a écrit en 24 heures, debout, de manière exaltée, en disant qu'il ne s'appartenait plus, et qu'il a écrit ça en jetant les feuilles les unes après les autres quand il avait terminé, et qui raconte l'histoire d'un gardeur de troupeau, d'un berger qui sort de chez lui, qui se promène dans la campagne, et qui explique pourquoi il faut aimer les rivières, les arbres, les fleurs... Non pas parce qu'en tant que poète, il déteste ça, il dit « je déteste les poètes qui veulent mettre des sirènes dans les rivières ou dans les lacs, qui veulent mettre des petites fées avec des ailes, en gros, dans les arbres. » Non, il faut aimer les arbres parce que ce sont des arbres, parce qu'ils sont là et qu'ils ont la puissance d'être là. Il faut aimer les rivières parce qu'elles sont là et qu'elles sont rivières et qu'elles sont rien d'autre et que ça suffit pour elles pour être aimées. On dit « oui, bon ». On dit ça, on dit pourquoi il me dit ça, je veux bien aimer la rivière, d'accord, c'est vrai qu'il a raison, c'est pour une rivière, mais je préfère avec l'idée qu'il y ait un triton à l'intérieur ou quoi, mais non, il nous dit non, c'est radical, il dit faut les aimer comme ça, d'accord, et il avance, ce berger, il avance dans la campagne, et puis le soleil commence à tomber, il commence à faire froid, il dit ah tiens, mais il faut aussi aimer le froid, et il faut aimer le froid, parce que si le froid n'était pas là, alors le monde mentirait, parce qu'il manquerait quelque chose, et que le monde doit être plein de choses, y compris le froid, je suis d'accord, puis après il parle de la mort, et on finit le recueil, et on s'aperçoit qu'on est guéri de tout, et qu'on n'a plus peur de rien, et ça c'est la grande puissance du gardeur de troupeau, c'est que... je m'intéresse beaucoup aux religions, et j'ai lu le Coran, j'ai lu la Bible, j'ai jamais rien lu d'aussi fort que le gardeur de troupeau. Pour moi, c'est la Bible puissance 1000, quoi. Vraiment, c'est court, et pourtant, il n'y a pas de texte pour moi plus formidable. Ça veut dire, pardon, je vais forcément résumer, comment dire ça, amoindrir la chose en la résumant, mais ça veut dire qu'il faut accepter le monde tel qu'il est, le formuler pour l'accepter. Et c'est même mieux, plus intéressant que ça, à mon avis, que sa thèse, c'est que il faut déjà l'aimer pour rien, ce qui est compliqué quand on est croyant, ne rien attendre en retour, ouais. Voilà, y compris Dieu. Si tu aimes Dieu parce que tu as peur que ta mère meure, parce que tu aimes ta mère, c'est pas de l'amour. Ça, c'est, oui, c'est intéressé. Oui, oui. Et puis surtout, la grande force de Pessoa, c'est de dire que il faut l'aimer ce monde parce qu'il ne nous ment pas, parce qu'il nous dit la vérité. Et que ça, c'est formidable de vivre dans un monde qui ne nous ment pas et qui nous dit la vérité. Et que la mort, y compris celle des enfants, c'est le monde qui ne nous ment pas. Et je trouve que c'est extrêmement fort comme message, et je n'avais jamais vu ça. Et difficile, mais parce que ça nous parle en adultes, contrairement peut-être, je crois, à d'autres textes plus religieux qui nous parlent comme à des enfants qui ont peur du noir et qui ont besoin d'un père. Mais là, il nous parle en adultes. Et je trouve ça, je n'avais jamais lu ça. Tu as évoqué Pessoa, tu as prononcé le mot d'influence. Il y a du Prévert aussi, il a été question de Prévert pas forcément dans le fond, mais dans la forme, dans cette liberté, ce côté aérien.
Moi, j'adore Prévert, mais il fait partie de ces auteurs, ces compagnols, qui, parce qu'il a plu à la masse, a été écarté un petit peu d'une forme d'intelligentsia. Comme voilà. Houellebecq a écrit Jacques Prévert est un con. Oui. Il a écrit un article. Oui, ça, je l'ai pas lu, mais je trouve ça dommage. C'est pas parce qu'un auteur ou une autrice plaît au plus grand nombre que, du coup, par posture snob, on va se dire, bon, ben, finalement, c'était peut-être pas si bien que ça, si ça plaît aux gueux. Et je trouve ça, ben non, il y a de la place pour tout le monde. Il faut relire Pagnol, il faut relire Prévert, c'est formidable, quoi, c'est formidable. Et toi, comme lecteur de poésie, d'abord, est-ce que tu lis de la poésie? Et si oui, quel type de poésie? Alors oui, parce que quand j'écris des romans, je lis pas de romans, parce que je me laisse facilement contaminer par le ton de l'auteur dans les romans, ce qui ne m'arrive pas avec la poésie. Et donc, je sais que je lis énormément de poésie quand je suis en phase d'écriture. Et j'aime beaucoup les anthologies, parce que ça notamment les anthologies, ça me permet de découvrir les poésies qui viennent de différents pays. Après, Pessoa, c'est vraiment inépuisable, hein, parce que comme vous savez, il avait des hétéronymes, c'est-à-dire il écrivait avec d'autres noms. Oui, des hétéronymes. Voilà. Oui. Ça te plairait ça de publier sous d'autres noms que Baptiste? Non, mais lui en plus c'était plus compliqué que ça. C'était pas pour publier sous d'autres noms. C'est, plus, c'était des masques qui se mettaient comme ça. Il y a Pessoa et j'aime beaucoup Blake et puis à la maison là je suis dans ma phase Jules Superville que je trouve admirable, c'est très très beau. Alexandre, on vient d'évoquer des poètes de tous horizons, de toutes nationalités. Ils sont traduits, ces livres? Ils sont appelés à être traduits? Parce que traduire de la poésie, il n'y a rien de plus difficile, on est d'accord, non? Ça, je ne sais pas. C'est un vaste débat. Moi, je lis énormément de poésie traduite du monde entier en tant que lecteur. Et j'imagine que les traducteurs et les traductrices qui ont travaillé là-dessus se sont peut-être parfois arrachés les cheveux. Mais quoi qu'il en soit, moi, j'ai des émotions qui m'arrivent et j'ai une joie de lecteur que je lise de la poésie coréenne, argentine, sud-africaine. La musique qui est difficile peut-être à traduire. Alors peut-être que la musique des mots peut pas nous arriver, mais en tout cas, les idées, certaines images, des émotions sont traduisibles. Je pense que l'humanité, voilà, qu'on soit en Asie, en Afrique ou en Amérique, on est traversé par une gamme de sensations et de sentiments qui est assez restreinte en fait. Donc on est tous animés par la joie, la colère, la peine. Et cela, donc, ils seront traduits. Et ben, on espère. Ouais. Malheureusement, l'économie de la poésie est une économie fragile. Et donc pour l'instant, on n'a aucun de nos livres qui a été traduit. Mais en plus de ça, l'iconopop est apparu dans l'ère du Covid. Ouais, vous êtes tout jeune. Ouais. On est tout jeune. Ça fait un an qu'on existe, un an et demi. Et hélas, les transactions entre maisons d'édition depuis un an et demi sont beaucoup plus difficiles. Il y a eu beaucoup moins d'achats de livres parce qu'il y avait une frilosité économique dans le monde entier avec ce qu'on a vécu. Donc déjà c'était difficile pour les romans qui est le genre majeur. Donc la poésie qui est encore plus difficilement exportable. Là, ces dernières années, il y a eu très peu de transactions. Donc moi, j'espère qu'il y a des éditeurs étrangers qui vont s'intéresser à notre travail. Après, voilà, je sais pas, on verra. On a parlé de musique, Baptiste. Est-ce que c'est quelque chose, enfin, ça me paraît évident quand je te lis que c'est quelque chose d'important. Mais est-ce que tu formules à haute voix, tu lis à haute voix quand tu écris ou J'essaie d'avoir une poésie chantée ou qui pourrait se chanter facilement, et quand j'écris j'ai toujours tendance... C'est une bonne idée ça peut-être de le mettre en et musique. Tout à l'heure oui, on parlait de la poésie, mais je me demande dans quelles conditions le rap ou le slam n'a pas aussi participé à cette une sorte de vase communicant. Il n'y a pas moins de poésie, mais ou alors il y a quelque chose qu'on n'appelle pas poésie mais qui reste quand même de la poésie. Et oui, je ne vois pas écrire de la poésie qui ne pourrait pas être
chanté ou lu à haute voix, parce que c'est le processus qui se passe au moment de l'écriture. Je lis à haute voix ou je lis dans ma tête. Mais tu t'assieds à un bureau ou tu te promènes et tu as ça en tête, tu as une partie de campagne et tu as ça. Non, alors il y a deux choses. Moi, je travaille beaucoup à la librairie en Blanche où j'ai un petit café. J'ai déjà vu. Oui. Voilà. Et quand je suis pas au cabinet médical, je suis à la librairie en Blanche où je suis chez moi. J'ai trois endroits à Toulouse. J'écris, en fait on est des vampires aussi, hein. Quand on écrit il faut dire la vérité, c'est-à-dire si à la séance de dédicace tout à l'heure vous me racontez quelque chose de drôle, je vais sourire et puis ce sera dans un livre dans un an et je vous aurai volé votre histoire. Mais c'est vrai, hier il y a une patiente qui m'a raconté un truc très joli et puis après j'ai fait semblant d'écrire sa tension artérielle dans le dossier médical et en fait je me suis envoyé un mail avec la phrase qu'elle venait de me dire. Non, elle m'a raconté un truc trop mignon, sa petite fille lui fait un bisou derrière l'oreille et lui dit tiens je te fais un bisou à la cachette et comme ça quand tu es triste tu peux enlever le bisou et le poser sur ta joue. Ah, et je me suis dit ah oui votre tension artérielle très vite, c'est très bien. Et ce sera dans un livre du coup. Je me tourne vers vous. Il y a un micro, Jeanne, qui peut circuler. Pendant que vous préparez vos questions, on a peut-être droit à une lecture de poème ou j'abuse. Est-ce que je peux demander à Alexandre. J'ai pas osé, figure-toi. Non, mais parce qu'on n'est pas forcément les meilleurs interprètes de. Ouais. Non, c'est pas pour ça, mais ça me titillait de lui. Tu veux le choisir ou tu veux que je le choisisse? Merci à toutes et tous d'être venus. En tout cas, je sais que c'est un peu compliqué en ce moment avec le Covid et l'ambiance. Morose, pas forcément... plus que morose. Oui. Marc, si on doit être vitrifié à cause d'une attaque nucléaire, on sera tous ensemble jusqu'à la fin de l'année. Dans 1000 ans, ils viendront nous voir, la médiathèque José Cabanis, on sera tous comme ça. Ah, voilà. Et Brice, il sera comme ça. Ce sera le nouveau Pompéi. Je vais lire, je pense, le premier texte sur lequel je me suis vraiment arrêté quand j'ai reçu les poèmes de Baptiste. Et quand j'ai lu ce texte-là, je me suis dit, OK, je veux que ce texte existe, soit lu et soit partagé. C'était vraiment ma première porte d'entrée dans ce recueil. Si tu te demandes parfois, les soirs d'été, les soirs d'hiver, pourquoi ce monde est injuste et se comporte comme un sale compressé, la réponse est simple, très simple. Dieu est un homme blanc, mince, hétéro, qui gagne bien sa vie. Un homme bien comme il faut, qui pense comme il faut penser, marche sur ses deux pieds, ignore ses privilèges et ne prend jamais le métro en ayant soif, en ayant faim, ventre vide et peur au ventre. On n'a jamais croisé Dieu dans la rue, craché sur son passage et dit assez fort à lui en péter le cœur, à lui en péter les dents, comme on a pu me dire, comme on a dit à d'autres, un truc qui reste dans la tête 20 ans après, les soirs d'hiver, les soirs d'été, espèce de sale pédé. Bon, on a mis l'ambiance. Non, mais on peut applaudir. Merci, Alexandre. Comme à l'école, vous levez la main. Merci. Je suis très fière. J'ai pas de questions à poser, j'ai juste à vous dire un grand merci. Je vous ai découvert il n'y a pas très 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 longtemps, mais quelques mois quand même, à un moment où je ne devais pas être là, et j'étais là, je ne sais pas trop pourquoi, j'ai ouvert le poste de radio, et j'ai pris en cours de route une intervention, qui a duré quelques temps, j'ai été immobilisée, je me suis dit, faut pas que je bouge, je vais louper un mot, et on est arrivé au bout, évidemment, je pleurais, et c'était, alors, je me rappelle même plus très bien du titre du mémo, rien que d'y penser, ça m'émeut encore,
c'était « J'ai honte de nous » ou « J'en ai marre de nous ». Je ne sais plus. Oui, désolé, Brice, ça s'appelait « J'en ai marre des mecs ouais. ». Non, c'était « De nous », je me souviens. D'accord. Ah oui, ah. Je me souviens parce que, en plus... Mais des « nous », les mecs, c'était pas oui, les êtres. Oui, oui, tout à fait, « De nous », donc vous. Mais vous aviez, en plus, le bon goût de vous mettre dedans, quoi. C'était assez... Et c'était tellement fort, je me suis dit, mais putain, c'est qui ce type ? Donc, enfin, c'était, j'ai jamais entendu un truc comme ça, en plus à la radio, à une heure de grande écoute sur France Inter. Enfin, c'était tellement percutant, tellement bien vu, tellement bien ressenti et bien redit. Voilà, j'étais très fière pour vous d'avoir pu sortir un truc pareil. Et depuis, je suis fan absolue. Donc évidemment, j'ai été chercher un petit peu. Bon, là, je me suis dit, ah bon, en plus, il est toulousain, le gars. Non, mais c'est trop fort. Il y a toutes les qualités. Voilà. Donc, je vous suis très près, et sans que vous le sachiez, sur Instagram notamment. Et je suis tellement aussi touchée par votre côté, qu'on a pu constater que les autres... un peu plus dans la culture, savent peut-être d'après vos livres. Moi, je débute dans la. Mais votre côté écorché vif me touche tellement, m'a peiné à un moment donné où vous étiez un petit peu down là, avec l'histoire du Covid, avec enfin. Je pense que tous les médecins en France là, on n'est pas très bien en ce moment. Et en plus, merci aussi pour votre effort permanent, d'explication de. Et puis on sent que voilà, ça tombe, vous en pouvez plus. Et puis hop, le lendemain, vous remettez ça quand même. Voilà. Enfin, bref, merci de faire tout ça et merci de ce que vous nous apportez sur tous ces différents plans. Merci à vous. C'est voilà. Et pour la petite histoire, d'une part, c'est mon premier bouquin de poésie que j'achète. J'ai dû acheter dans mon jeune temps. Ça marche, Alexandre. Oui, non, mais exactement, j'y pensais tout à l'heure. J'ai dû acheter dans mon jeune temps donc Prévert et Les Fleurs du Mal pour l'école, ce que j'ai bien aimé, mais c'est tout. Et d'autre part, accessoirement, je ne me fais aucun doute sur le fait que ces histoires et ces poèmes me parlent. Et il se trouve que je fais partie d'une association de lecture à voix haute. Et donc, je vous promets que celui-là, il va me servir. Merci beaucoup, ça c'est super, merci. Voilà. Merci voilà. Beaucoup. Encore merci. Merci. À ta gauche, voilà. Bonjour. Bonjour. J'ai un peu la tête vide, là, du coup. merci aussi, je pense que c'est... assez évident. Je suis très émue, en fait. Après, je vais être émue aussi. Si tu pleures, je pleure. Après, tout le monde pleure. Non, on va, est vitrifiés, tous ensemble en train de pleurer. C'est pas possible. dans tout ce que tu nous offres, là, dans toutes tes inspirations, qu'est-ce qui se passe au moment où tu écris tes mots dans ta tête et où tu les donnes, puisque tu, même si tu te caches derrière des petites histoires, etc. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu nous donnes? Qu'est-ce qui se passe en toi? C'est un peu intime ce que je te demande. Pour nous livrer tes mots comme ça. Tu comprends ma question? Si le besoin de briser peut-être une solitude chez les gens et de tu sais je enfin vous savez je suis soignant. Non, mais tu, ça me va très bien. Et si je peux alors je dis pas soigner mais en tout cas aider un tout petit peu les gens y compris sans les voir, sans prendre la carte vitale et juste les accompagner à un moment de leur journée avec deux, trois mots qui vont leur faire du bien ou qui vont résonner alors en tant que soignant je crois que je suis plus que justifié tu vois et puis y a ça et on parlait tout à l'heure de pudeur mais
les réseaux sociaux permettent cette pudeur-là de se mettre tout nu, puis de fermer la porte, et de laisser après l'image qu'on a laissée, et de passer à autre chose. Et je me dépouille. Tu en parles d'ailleurs, il y a un poème là-dessus. Oui, sur les réseaux, oui. Ah ouais. Je me dépouille de quelque chose, je le pose, mais après, je ne peux pas me permettre d'être sur les réseaux toute la journée, parce que je fais trop de choses. Et donc, c'est aussi pour ça que je peux te dire, ou dans les poèmes, des choses aussi intimes, c'est parce que je m'en fiche, en fait. Je pose le truc. Si ça plaît, tant mieux. Si ça plaît pas, de toute manière, j'y retourne pas. J'ai la vraie vie et j'ai dit ce que j'avais à dire. Et avec l'idée que peut-être ça a permis à quelqu'un de se sentir quelque part un tout petit peu mieux ou alors moins seul. Et alors, ouais, je suis content. Et l'éditeur, il sert aussi à dire ce texte-là, on va pas le publier oui. parce qu'il te concerne que toi. Mais c'est aussi pour ça qu'on a besoin d'être accompagné parce que on est très mauvais juge, je pense, notamment sur les messages qu'on veut faire passer. Moi, je le vois avec mon éditrice pour les romans ou Alexandre pour les poèmes. Le truc qui revient, ça, tu l'as déjà dit. Et effectivement, on a toujours peur de pas avoir assez dit les choses. Mon éditrice, Alexandrine Duin, chez Fayard, m'a dit une fois une chose que je trouve incroyable, auquel je n'avais jamais pensé. Elle m'a dit, tu sais, les lecteurs ne sont pas idiots. La provoque. Et elle a raison. Et je sais pas pourquoi on a toujours peur de pas être compris. Donc on veut rajouter. On dit mais ils sont pas bêtes, ils ont compris la première fois, tu sais. Voilà. Et donc c'est aussi le rôle d'un éditeur ou d'une éditrice d'avoir le recul nécessaire pour nous dire sors de tes obsessions, de tes névroses comme ça, et laisse un peu de liberté au lecteur. Et c'est aussi ce qu'on a fait avec Alexandre, c'est-à-dire que il y a des moments où il me disait tu vois cette phrase me paraît légèrement de trop, et en relisant, il avait raison parce qu'elle résonnait avec celle du dessus ou celle du dessous, et le poème gagnait en pureté et en force, quoi. C'est pour ça qu'on a besoin d'un éditeur, mais aussi d'un ami ou d'une amie, parce que ce sont des amis. Hein. Tout à fait. D'autres questions ? Écoutez, alors ce que je vous propose, moi, c'est de continuer le dialogue, mais autour des livres de Baptiste, et puis de lui poser vos questions de manière plus intime, peut-être, ou à poser des questions à Alexandre, du reste. En attendant, je vous remercie beaucoup, et je remercie Alexandre et Baptiste. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Hein, merci.